comprends en tout cas que ce que l'on vous reproche le plus n'est pas d'arriver en retard à des rendez-vous, bien que ça ne doit pas être très agréable pour ceux qui attendent. Mais c'est d'avoir réussi très vite, d'avoir réussi totalement, et je dirais plus d'avoir réussi sans donner l'impression de vous donner du mal pour ça. Vous n'avez pas l'air de souffrir. Les gens veulent bien qu'on gagne, à condition que ça fasse mal. Allô? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que tout est venu comme ça? J'ai eu des débuts pas très faciles. Et comme tout le monde, enfin, j'ai eu beaucoup de chance surtout. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai voulu faire du cinéma et j'ai tout fait pour en faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé, pas beaucoup, beaucoup, mais enfin, je me suis quand même donné un peu de mal. Mais la chance a ouvert ses portes, les productions aussi, et je suis arrivée à être... Malgré votre sourire, malgré votre apparence, malgré l'argent que vous gagnez, et toutes ces filles qui vous imitent plus ou moins intelligemment, je sais que les choses sont plus graves que certains le croient et que, dans une certaine mesure, la cote d'alerte est dépassée. Dépassé brusquement, un peu comme quand on se noie, je crois. À quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison. Agréable, mais c'est un peu une prison quand même. Enfin, le plus souvent possible, on ne parle pas de moi dans les journaux ou ailleurs. Je ne peux pas empêcher les gens de parler de moi. Quand ils n'ont rien à dire sur moi, ils inventent. Et elle a aussi envie de vivre comme une vraie femme.